Allez, bon, on en était où? Ah oui, on en était au point où Bowser était retourné dans son château. Il s'était fait piéger, il avait mangé beaucoup. Du coup, le rôle de Mario et de Luigi, c'était d'aller dans son estomac et de gérer le bousin. Et en voir la taille de l'estomac, y a du monde. Donc on a beaucoup à faire. Allons-y. Avec Bowser qui casse le mur, bien sûr. Ok. Donc là, on se fait attaquer par des morceaux de d'accord. Ah bah donc beaucoup de chance, Mario, hein. Oh, salaud. Alors, on va bientôt avoir la meilleure... Je sais pas si on va l'avoir dans ce stream-là, la meilleure musique du jeu. On verra. Let's go. Tatapatap. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour aux gens qui arrivent. Bonjour, bonjour. Monsieur, dame. Savoir ce que tu appelles la meilleure musique du jeu. Bah, je sais. Je sais que c'est dans ce jeu, mais je sais plus à quel moment exactement. C'est pour ça, je. Oh putain, mais t'abuses. Mais t'abuses! Ah, t'abuses. Ah, j'ai plus le timing. Bon, ça va. Oh, mais putain. Ah, faut que j'y rejoue. Faut vraiment que je m'en mette dedans. Bouh! Quoi? C'est tout? Bam! Let's go. Ah, c'est Cornus. Ça va. J'aime tellement avoir ce jeu. Moi j'aimerais bien le récupérer en boîte aussi, ouais. Ça fait partie des choses que je regarde sur le bon coin encore. Encore et toujours. Selon des études hémoglobinesques, vous voyez ces surfaces roses sur lesquelles on rebondit? Eh bien, lorsqu'on appuie sur A ou B, lorsqu'on est au-dessus, on saute encore plus haut. Oui, bah je sais. Oh! Mario, Luigi! Attendez, hop là, c'est mieux comme ça. Vous aussi, vous avez été aspiré par Bowser? Princesse Peach! Étoile d'or, toi aussi, tu es là. Nous avons longtemps cherché, Princesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette créature? Je l'ignore, je cherchais un moyen de sortir quand elle m'a attaqué. Ça termine mal. Il faut vite retirer ces trucs tout bons, la princesse Peach est en danger. Vite, rattrapez-les. Ok. Ok. Bien. Alors attendez, fouillons un petit peu la zone. Y'a rien de glorieux par ici. Putain, mais la mix. Luigi. Non, Luigi. Luigi. Qu'est-ce que je fais comme voix à ce truc-là, moi? N'aie crainte. N'aie crainte. Je suis la souveraine des sols muqueux, la princesse Mucosa. Tu as fait tomber quelque chose dans ce sol muqueux. Est-ce ce trésor trop bien que tu as fait tomber? Est-ce que c'était ce moustachu en verre tout flagada? Tu vas devoir choisir une réponse. Quoi? Tu vas devoir choisir une réponse. Qu'as-tu fait tomber? Je vois, tu as une irrésistible envie de choisir le trésor trop bien. Non. Ne mens pas. Je peux lire sur ton visage que tu désires ardemment ce trésor trop bien. Ma, c'est mon frère. Oh, ce flagada en verre est ton frère.
Alors il est plus précieux qu'un trésor, trop bien. Soit. Alors tu as fait tomber ce flacon à envers. Quel homme. Quel homme ce Luigi. Oh oh, bel atterrissage pour un flagada. A toi le flagada en vert et à toi le moustachion rouge qui a le sens de la famille. Je vous offre ce trésor trop bien. Ouais, un trésor trop bien. C'est trop bien. Je viens de voir que le remake du centre de Bowser, il y avait un boss qui a reçu son propre thème de combat alors que la version de base, celle que tu joues, le boss en question a le thème de boss. Hein? Ah d'accord, ok. D'accord. Bah écoute. Comme quoi. On gagne toujours à être honnête. Si vous entendez ça quelque part, vous vous souviendrez de moi. Adieu. C'est quoi ce bruit? Quel enfer. C'est quoi ce trésor trop bien qu'elle vous a donné? C'est la fête. Wow. Merci Daguise pour le 8e mois. Merci beaucoup. B-O-N-J-O-U-R. Bien sûr. On a vu deux badges, d'accord. Formidable. Si vous portez ces badges, ils auront des effets pendant les combats. Si vous utilisez bien, vous pourrez en tirer avantage. Merci Super JD pour le 14e mois. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, y'a autre chose. Ah, y'a autre chose dedans. Oh non! Un steak! Oh non, moi je veux foudroyer. Maki lambda. Eh bah bordel. Dans la catégorie des meubles, dans la catégorie des meubles, je demande Maki lambda. Merci Maki lambda pour le 9e mois. Comment que ça va? Bon, c'est un meuble. Bah c'est vrai. Je grince pas encore. Non, mais tu fais, ça fait longtemps que t'es là. Oh, j'avais oublié. Pour utiliser les badges que je vous ai donnés, vous devez remplir la jauge en portant des attaques avec succès. J'apprécie votre honnêteté et votre bel amour fraternel. Je vais donc vous accorder une faveur. Dis-moi, le flagada en vert, tu aurais bien voulu que je te remplisse ta barre en entier ? Enfin, qu'importe. De toute façon, Luigi se fait toujours baiser, c'est ça le problème avec Luigi. C'est lui, Yagan. Vous n'apprendrez rien si on vous donne tout de suite. Il faut se donner un peu de mal pour devenir un adulte digne de ce nom. Il va vous falloir remplir le reste par vous-même en attaquant. Ok. Hein? Appliquez-vous! Oh, la jauge se remplit à chaque fois que vous réussissez une attaque. Mario, Luigi, essaie de remplir la jauge. Pourquoi c'est Luigi qui a le côté qui est le côté vide à remplir? Pourquoi c'est Luigi qui a la prise femelle, finalement? Merde. Ok. Nice. Oh! À la jauge, j'ai rempli. Vous pouvez maintenant activer les badges. Ok. Vous pouvez activer les badges comme les blocs de commande sont présents à l'écran. Avant de choisir un bloc de commande, activez les badges. Allez, touchez le point brillant sur la jauge. Ces badges restaurent vos PV à tous les deux en même temps. C'est utile en cas de coup dur. Ah oui, une fois que vous avez activé les badges, la jauge se vide. Vous pouvez conserver votre jauge remplie pour l'utiliser en cas de besoin. Ou bien vous pouvez activer les badges dès que la jauge est pleine. À vous de voir comment vous préférez les utiliser. Il manque des images, non? Normalement, il devrait y avoir beaucoup d'autres badges. Vous feriez peut-être mieux d'apprendre à changer de badge dès maintenant. Vous voulez que je vous explique comment on ferait? Non. Très bien, si vous trouvez d'autres badges, faites des essais. Les badges ont différents effets. Ta gueule! Pardon, excusez-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Il manque des images. Excusez-moi, il manque mes images. Ok.
Allez, on va faire ça. Pas mal. Oh là, c'est plus simulateur qui est pas fini, mais... Aouh. Très bien. Let's go. I got it. Nice. C'est l'apocalypse. C'est-à-dire que tu procures avec ce jeu, t'imagines même pas. Ah mais, c'est un plaisir. On est là pour ça. Alors la vie, on a un 5. La moustache, on a un 3. La vitesse, on a un 4 grand max. La défense, on a un 5, c'est très intéressant. On va prendre le 5 défense. Ah oui, vous étiez pas là, mon jeu bug bizarrement, et dès que si j'ai pas le 5, ça risque, ça relance. Ah! Oui, bizarrement... Bizarrement, la relance s'est bien passée là. Ouais, ces morceaux de viande sont plus forts que certains monstres. Oui, complètement. Complètement. Et non. 4. 4. 4 aussi. 4. 5 à la vie. Il y a un 5 à la vie. Eh ben, let's go. Je crois que mon jeu il est bugué. Ah, c'est bon, il bug plus. Bizarre que ça te dé... Quoi, c'est... Quoi ? Ça davantage, normalement les jeux davantage, pas les... Hein ? Non mais le jeu il bug. Le jeu il bug. C'est seulement... Il bug quand j'ai pas... quand j'ai pas le bon bonus. Ah, d'accord. Très bien. Bon du coup les badges pour l'instant, ouais j'ai rien de spécial à faire avec puisque j'en ai pas d'autres. Ah l'émulation il bug, j'ai l'impression. Hein. Ah, les émulateurs sont un peu mal faits, quoi, bref. Peut-être aller voir en haut d'abord. Hein. Ah, mais en fait c'était deux niveaux différents. D'accord. Ouais, mais il y a un truc à récupérer ici, donc ça me va. Bam! Let's go! Tout est tup. Mais j'ai raté ça. Nice. J'ai toujours dit que Luigi était meilleur. Nice. Un super jeu, voilà. Mais oui, c'est totalement vrai. Mais ça fait plaisir que ça vous plaise. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce mini-jeu? Bah c'est First Try en fait. Bah c'est First Try en fait. 4 pièces par contre, ah ouais. Ah ouais. Mais c'est First Try. Il y a un truc là, on est d'accord. Oh bordel. Bon, je vais d'abord passer par là et puis on verra après. Non. Je vais pas y aller maintenant du coup. On revient. Salut Shuka. Donc là on est... Ok. Donc le côté rouge était relié là-bas. Ok. Ah ça va. Ok. Obligé qu'il se fait bolos à chaque fois. Alors, au milieu.
Ok, très bien. J'étais stock au boss à cet endroit, je l'ai jamais fini le jeu, quel cauchemar. Ah ouais, il y a tellement de gens qui ont jamais fini le jeu. Oh, des chaussures attaquent. Ouais, c'est un peu, c'est comme les gants attaquent quoi. Je trouve que le bonus est pas assez grand. On va être crevé. Ouah, je suis un hémoglobine rebelle. Si vous voulez la vie d'un rebelle-obling, par là c'est un vrai labyrinthe, vous risquez d'y rester enfermé toute votre vie. Je vais vous indiquer la route à suivre, Bing, mais... Comme je suis un rebelle, je vous dirai pas tout, je serai pas tout de suite. Si vous acceptez de passer un moment intense avec moi, je vous indiquerai la route à suivre. Il se passera peut-être quelque chose de bien, Bing. Vous voulez passer un moment intense, torride, avec moi? D'accord. Et voici le grand quiz, tout sur Bowser. Quoi? C'est de la lessive, abruti. C'est de la lessive, laisse la lessive. Et le quiz va commencer. Le thème, c'est Bowser. Absolument tout sur Bowser. Un quiz où vous apprendrez des choses incroyables et des anecdotes croustillantes. Vous voulez continuer, Bing? On va être crevé. Commençons le quiz, mais avant... Non, je tiens à remercier notre sponsor NordVPN. Sans qui tout ça ne serait pas possible. En questionnant Bowser, vous connaîtrez peut-être les réponses du quiz. Chaque question que vous poserez vous coûtera 5 pièces. C'est bon. J'étais pas là de la journée, ça y est, là faut qu'elle se. Hein, hein, faut que tu te rebelles. Faut que tu te rebelles. Allez, va, faire ta vie. Ah. Y'a pas que dans ce monde extérieur que tout se paye. Alors, voulez-vous questionner Bowser? Passons au quiz. Je vais vous poser 3 questions. Si vous faites un sans faute, je vous indiquerai la route à suivre. Si vous faites la moindre erreur, le quiz est terminé et je vous dirai rien, Bing. En plus, si vous devez affronter des monstres, engage. Allons-y. C'est le quiz tout sur Bowser. C'est lundi. Quelle partie du corps de Bowser est un peu sèche? Merde! Ah, oh, je voulais tricher. Et en fait, j'ai re-sauvegardé par-dessus. Ah merde! Ah, je me suis fait... Allez, ça m'apprendra, tiens, ça m'apprendra. Non, ça ne va pas du tout, vous ne faites pas assez d'efforts. Voici votre gage, vous allez devoir affronter des monstres. À vous les monstres! Ah merde. Ah là, j'ai voulu prendre avantage. J'ai voulu prendre avantage de l'émulateur, j'aurais pas dû. Trop fait chier de l'XP gratuite. Non mais t'as pu. Mais Luigi, mais Mario, ça va Mario? On a Baby Mario avec nous là. Mais ça va pas tout ça. Hein. Voilà. BAM! BAM! Ça c'est beau ça. Ta-da. Bah, oh le critique. Et voilà monsieur. Bon allez. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, on recommence. Si vous acceptez de passer un moment intense avec moi, je vous indiquerai la route à suivre. Oui. Que voulez-vous faire? Passez au quiz. Je vais vous poser 3 questions. Si vous faites un sans faute, je vous indiquerai la route à suivre. Si vous faites la moindre erreur, le quiz est terminé. Je ne pourrai... Oui, je sais bien. Alors, c'est parti. Et se trouve dans la salle au sous-sol du château. Les trésors qu'il a trouvés.
Des trésors qu'il a volés. Des trésors qu'il a shippés. J'ai fait toutes les mauvaises réponses. Des trésors qu'il a arrachés, bien sûr. C'est Bowser, bien sûr. Comment Bowser trouve-t-il les lignes de son château ? Puissante et racée. Bien sûr. À cause de quoi Bowser a-t-il l'estomac tout barbouillé ? Les plats de Rakovitz, bien sûr. Quoi ? Ah, c'était la carotte ? Merde ! C'est qui Tark? Ah bah ça fait... Mais ça, moi ça fait... Moi je suis content de... Que les gens soient heureux... Me rend heureux. Donc tout va bien. Tout va bien en vrai. Putain mais c'est du farm gratos, fait chier quoi. Putain mais imaginez, ça me donne... J'ai du farm gratos depuis tout à l'heure, mais l'enfer. L'enfer. Oh la vache, mais vraiment c'est un... Mais non mais... Mais je mérite vraiment des souffrances comme ça? Ah oh, c'est horrible hein. C'est horrible, je dois farmer des monstres pour mon plaisir, non. Quel enfer. Ça va être toute mon enfance ce jeu. Et let's go en fait. Let's go. Après je peux passer au-dessus en fait hein. M'emmerde votre pote hein. Du pognon! Merci Xam pour les 100 bits. Ça roule, mais oui. Bien sûr que ça roule. Bien sûr que ça roule. Arrêtez de m'emmerder le mec en dessous, hein. Bien Mario. Avec son 4! Ok. Oui. Pour ça, leurs attaques sont vraiment pas dures à éviter. Allez hein. Non mais le jeu il bug à cause de l'émulateur, c'est pas le jeu les mêmes. C'est ce qu'on dira, c'est qu'il bug parce que c'est l'émulateur quoi. Les dégâts de flammes sont assez violents quand même. Hein. Ah Mario qui level up. You got it. Oh y'a pas de 4 pour la moustache, ça dégoûte. Mais où sont les 5? Où sont les 5? Ah bah ils sont sur la vie. Du pognon! Let's go! Merci Stam pour les 100 bits. Mais après quelques secondes, écoute, ça va toujours. Bien que plus le temps avance, plus je suis fatigué, mais ça va. Sinon ça va, j'arrive à survivre. Ah merde! Dommage. Bien vu. J'ai mis clic. J'ai mis clic. Oh. Oh le 53 en critique. Ah ouais. Ah ouais. Boum! Boum! Putain mais les dégâts! Les dégâts des bonhommes! Boum! Eh bah voilà!
Et les deux badges s'intègrent l'un dans l'autre. Let's go. Et Luigi, l'homme. L'homme au multitalent. Un petit 5 pour la défense. Allez. On va dire que tout va bien. La stat max, j'en ai aucune idée. J'avoue que là, je ne sais pas du tout. D'accord. Donc en fait, venir ici, ça ne sert à rien. Parce que je peux grimper tout en haut. Non, je peux pas. Ok, donc ici, c'est pas utile. Oui, c'est quoi là-haut? Ah, mais du coup, il me faut la nouvelle attaque. J'ai pas encore la capacité d'aller récupérer ça. Sa capacité où il lance Luigi, je crois, et Luigi il peut planer. Il me semble que c'est ça. En vrai, les deux se rejoignent ici, donc au pire, je vais passer en dessous et puis voilà, hein. Allons-y. Hein. Allez hop. Bon, l'émulation bug toujours un petit peu, hein. Ah! 20? Ok. First try. Let's go. Allez, plus qu'une pièce à récupérer du coup. Nice. Alors, je pense que le verre va nous rapporter là, donc on va se mettre là. Hop. Si la logique le veut, en général. Ah non, c'est normal. Ça, c'était bon. C'est là, c'est là. Dommage. Eh. Oh, c'est fou. Mais je dois vraiment faire ça tous les jours, c'est un enfer. Tu te rends compte que c'est un enfer ? Tous les jours, je dois m'amuser à mettre du scotch sur ce frigo. Parce que sinon, madame s'amuse à venir. Ah, vache. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Vous savez, Lilith est un chat. Faut s'en occuper, quoi. Ok. Salut, sujet alpha. Nice. Boop. Let's go. F for frigo. F for fuck Lilith. Qui nous emmerde. Enfin, qui m'emmerde, moi principalement. Oh pardon, hop. J'arrive tellement pas à faire les sauts timés. Ouh. Let's go. On descend. Oui, Apocalypse, je l'ai eu tout à l'heure justement. Donc comme ça, prochain stream Poké Clicker, on aura énormément à faire et putain, qu'est-ce que ça va être intéressant. Ah, ça marche TP ici. Donc il aura fallu que j'aille là-bas en... Ah, quoique je peux pas aller... Ah, quoique, attends. Non, je vais retourner au même endroit, je vais prendre le tuyau vert du coup. Hein. Ah, mais il y a eu arnaque du coup. Ronan. Ah, je le touche? Ok. Dommage. Oh, il est chiant ce boss.
Oh, ce mob. C'est mon enfance, mais c'est tellement le jeu de l'enfance, c'est le jeu d'enfance de tellement de monde, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est beau en vrai. C'est un beau jeu d'enfance après. Un très beau jeu de l'enfance. Bon, lui, qui me parle pas. Oh oui. Belle esquive. Ah mais non, c'est pas là que je dois aller, c'était au-dessus. Ah, oh, sa mère. Bien. Mais avec deux critiques, ça finit pas. Oh putain. Boum. C'est original, la difficulté est bien dosée, l'humour est parfait. Bien sûr, hein, mais de toute façon les jeux Mario Luigi sont très très bien. Ils sont beaucoup trop bien même. Ça, on ne pourra jamais dire le contraire. Ah mais ça fait que ce bien, ça donne beaucoup d'argent, ça fait que ce bien. Non, les combats sont bien. Moi ça me va. Les combats me vont. Oh, ça c'est refill. Vraiment ? Incroyable. On y retourne. Je me souviens du let's play de Guild sur ce jeu. Waouh ! Vous êtes si ancien que ça ? Ça c'est beau ça. Eux sont les gens qui ont connu le let's play de Guild sur ce jeu. Faut quand même se le dire. Faut quand même se le dire. Explique un peu là où tu progresses dans le jeu. Bah, je progresse en même temps, je pex. On fait les deux en même temps. Merde. Hop là, le petit bouton de pu dégueulasse. Ah. Et de retour. Allez, dites ce tourbillon! Pourrait vous être utile, non? On pourrait sauter dedans, par exemple! Oui, lancer Luigi dedans, puisque c'est une feuille. Et j'ai fait de la cité d'un, et tu vas pouvoir t'envoler! Vous avez une bonne idée! Vous changez l'icône d'action en sans-bruit avec OIR! Avec A, Mario, saute sur Luigi. Ah non, c'est Luigi qui lance Mario. Ah merde, je pensais que c'était l'inverse. Et dans cette position, vous appuyez encore sur 1. Ah mais non, c'est ça, je pensais qu'il le lançait, mais pas du tout. Un jeu moins. Allez, vous pouvez effectuer un sourire. Grâce au sourire, vous devriez pouvoir franchir des ravins plus larges. Et un étoile fort en fait, ouais. Salut Raomi. Quoi, vous voulez sauter dans le tourbillon avec un saut en vrille? Ah, je vois. En combinant la rotation du saut en vrille avec celle du tourbillon, vous pouvez sauter très très loin. Allez sauter dans le tourbillon avec un saut en vrille. Allez, on y va. Waouh! Si tu ne veux pas répondre, car le moment, je sais comment attaquer. J'ai 200 Pokémon si, j'ai juste fait des œufs. J'ai juste fait des œufs. Des œufs psy. Parce que ça compte. Nice! Et voilà, on a une nouvelle attaque. Ah. Ça va être la quoi la nouvelle attaque? Le casque Boeing.
D'accord. Vous pouvez maintenant utiliser l'attaque casque Boeing. Alors, vous voulez voir une démonstration? Non, j'ai exactement compris ce qu'il faut faire. Pas besoin. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, où est-ce qu'il faut que je me rende? Ici? Ouais, je pense ici. Ouais, faut que je prenne le... D'accord. Arrête. Ok. 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 Non. Hop là. Eh! Let's go! Et du coup, ça débloque ça. Très bien. C'est monsieur Bastin. Oh, attendez. Attends, j'ai oublié de faire ça, moi. Attendez. Tac. Comment qu'il va? Bah on prend ça du coup. Luigi. Il est de retour. Hop là. Faut lui parler à ce bonhomme. Vas-y go. Yo, si vous voulez accepter de passer un moment intense avec moi, je vous indiquerai la route à suivre. Vous voulez passer un moment... Non. Je vais faire du temps ou il est au programme pour la suite? Non, c'est pas prévu je pense, Mel. Non, je voulais juste en faire un. Histoire d'en faire un. Mais non, c'était pas prévu plus que ça. Et ça c'est le bait, ça m'emmène au début. Ah non, je me suis fait bait. Allez, on y va. Pardon, excusez-moi, c'est pas bon save. Ce jeu quand du coup? Le mardi et le jeudi. Et là c'est mon deuxième stream dessus. Et les VOD arriveront dans 2 semaines, je dirais, sur YouTube. Au pire t'as les VOD qui sont toujours dispo sur Twitch évidemment si tu veux regarder, mais... Mais en live, ouais, c'est le mardi et le jeudi, ouais. Mais sinon, Vincent, ça va. Tranquillou. Oula. Ça joue du petit jeu de chill, on est bien. Alors, on se demande bien où il faut aller. Ah, une zone de save. Me demande bien pourquoi, tiens. Ouais, il faut save ici. C'est de pire en pire cette zone. De pire en pire. C'est de pire en pire. Oh, c'est bizarre, il y avait une save et d'un seul coup il y a une animation. Bah tiens. Vous arrêtez de secouer Madame Peach, s'il vous plaît. On les a enfin retrouvés. Et la princesse Peach est prisonnière à l'intérieur, il faut la sauver. Oh yeah. Okay. C'est parti pour le combat contre les globules. Mario, Luigi, faites attention. On ne peut pas les retirer en les tirant ou en les frappant. Il faut trouver un moyen de les enlever. Très bien. Je suis juste trop fort. Après c'est peut-être parce que c'est littéralement la chose qu'on a débloqué dans cette zone, mais... Mais que m'est-il arrivé? Mes amis, vous m'avez sauvé, merci. Mario, Luigi, regardez! Ils reviennent! You
Oh fuck. Oh, c'est une évolution. Ouah, l'évolution de fou. Bravo Luigi, il faut les arrêter. Moi je protège la princesse Peach. Ouais, tu veux protéger la princesse. Et moi je vais combattre avec Mario. Oh ouais. Tu plaisantes. Mais merci en tout cas d'avoir lancé Luigi dedans. Cool. Ah, il faut frapper la bonne couleur du coup, je suppose. Pardon. Ah non, la verte elle est protégée, d'accord. Ah non, les rouges c'est Mario et le vert c'est Luigi, c'est ça? Ok, d'accord. Logique. Logique. Bah deux Mario et un Luigi, et deux Mario de Luigi quoi. Ah ça baisse la défense. Ah. Ah putain, mais il reste que des Mario. Bah c'est pas grave, je vais heal comme ça. Je sais pas ce qu'elle branle. Tiens, mange Mario! Let's go! Salut à Seb. Alors, fais-moi les malins maintenant! Mais comment ça il peut se turbo chier? Ah! C'est celui-là ? Boum ! Par contre, ce truc est horrible. Ah putain. Mais c'est impossible à éviter ! J'ai pas regardé, merde. Allez, prends ta mère. Ah putain, j'ai totalement raté. Voilà. Boum. Oh non, ils vont encore se chier. Oh là là. Ok, j'ai compris le timing, c'est bon. Alors les enfants, où est le vrai? Où est le vrai globule? Est-ce celui-là? Ou alors celui-là? Où est celui-là? Non, non, non. C'est celui-là. Eh oui. Boum. C'est bon, j'ai le timing. Regardez bien les enfants. Où va aller le globule? Oh là là! Mais où est-il que... Je me demande.
Waouh! C'est quoi ces dégâts? What the fuck les geeks? Wow, les dégâts qu'on a mis. Ah, il s'est caché derrière, t'as peur? Ah, faut appuyer sur A sur l'ennemi aussi. Oh, ok. Ceci explique cela. Ok. Merde. Alors tu vas soigner le frérot parce que là le frérot est pas bien. T'as Mario, il prend sa part. Hein. La vache. Il prend sa part le Mario. Hein. Voilà. Évidemment que Luigi carry, ça c'est pas nouveau ça. Ah. Ça tu VIP. Ah, eh. T'es un ancien mec, que veux-tu? Normal. Ah. Ah mon chat. Ça va mon chat. Ah t'es pas content, t'as été toute seule aujourd'hui. On prend un petit sirop mon petit Mario. Voilà. Ok, c'était lui, ouais. Alors, je me demande bien lequel ça peut être. Hop, au cas où, pour vérif. Oh, c'était lui. Oh là là, je ne m'y attendais pas. Oh le critique. Quel beau critique. Alors oui. Ah ok. Ah j'ai besoin de ma main. J'ai pas Oh non mais... Oh où est le boss? Oh là là, Ah je sais pas, on sait jamais. Non ouais j'ai pas suivi. Je crois que pour le coup j'ai pas suivi. Ah là on sait où il est. Putain mais... Ouais c'est vrai, par contre il est imbutable ce boss. Vraiment imbutable. Ah le boss c'est un peu ZZZ, ouais c'est un peu dommage.
Mais... J'ai toujours pas suivi. Je fais vraiment la même connerie depuis tout à l'heure, j'ai pas suivi. Bon bah voilà hein. Ça va. Alors je me demande bien que c'est qui le vrai. Ah, je crois qu'on l'a trouvé. Mais quoi? Mais toujours pas. Bon, ça va vous le chat sinon? Écoutez, si on veut parler de choses plus intéressantes, peut-être. Hier soir, j'ai passé ma soirée à faire des baies sur Pixelmon. Sur PokéClicker. J'ai désormais tout ce qu'il faut pour faire des belles baies. Et surtout pour faire tous les rituels, évidemment, qu'il faut pour avoir les bonus shiny et tout. Là, qu'il me reste encore beaucoup de baies à faire, bien sûr. Mais franchement, on va bien avancer la prochaine fois. J'ai hâte. Yes! Voilà! Ah, bizarrement, quand on parle de sujets qui dérangent le jeu, ça finit. Hein. 700 d'XP! T'as arrêté Pixelmon en passant. Non, j'ai mis en pause pour l'instant. J'ai mis en pause pour l'instant. Je ferme tranquille avec mes scripts. Ah, oh, la honte. La honte. Ah, tiens, parlant de Battle Frontier, bien vu ça. Ah, mais encore une mise à jour. Putain, c'est pas possible. Maintenant que je suis sur le point exé, il y a des mises à jour tout le temps. Enfin, c'est bien, en vrai. Ça rassure. Alors, quel stat est un peu en retard selon le jeu? Ok. Ouais, pas grand chose d'intéressant là. Hein. Eh ben on va essayer de choper le 4 d'attaque. Hein. Il y a jamais eu de stat de 4 en attaque. En vitesse? Il y a un 4 en vitesse, ouais. Let's go. Mais mon jeu il bug. Allô? Ah d'accord, c'est bon. Parce que j'avais pas réussi à avoir le 4. Maintenant que j'ai eu le 4, c'est bon, le jeu ne bug plus. Cool, cool, cool. Je reload la page. Hop. C'est la fête! Merci Kenmo pour le deuxième mois, merci beaucoup. C'est mon petit bug. Un nouvel item. Un appareil qui permet aux utilisateurs de voir et de traquer les achievements. Compléter des achievements donne des bonus. Mais pourquoi il me donne ça, genre comme ça? C'est nouveau? Oh, changelog! Regardez, il y a un changelog tout nouveau! Il y a plein de trucs! Waouh! Waouh! Oh, putain, il y a une méga mise à jour en fait aujourd'hui. Bah, je vous laisserai lire le log. Hein. Je vais laisser lire le log. Moi, je vais juste me remettre. Ah non, c'est bon, c'est là. J'ai eu peur. Hop là, juste me remettre là. Merde. Oh, excusez-moi, je vous ai pas remis la scène. Hop là, c'est celle-là. Il y a un 4 en vitesse. Un 4 en défense. Il y a un 4 en attaque en vrai. Ah. Donc faites-vous plaisir à aller regarder les mises à jour. J'ai pas le temps de regarder. Mario, Luigi, merci. Je savais que vous viendrez me sauver. La princesse Peach, tout le monde a été avalé par Bowser et se trouve dans son corps. Dans ce cas, il faut vite que nous sortions tous d'ici. Ah bah c'est pas possible, il y a un problème. Comment vous ignorez comment sortir d'ici? Ah, que faire? Ah, jusqu'à présent, on ne pensait qu'à sauver la princesse. Maintenant, il faut trouver un moyen de sortir du corps de Bowser.
Oh, regardez, on dirait qu'il y a encore quelque chose par là. Continuons, nous trouvons peut-être une sortie. C'est pas possible. Alors je reste ici pour protéger la princesse. Vous, allez voir si vous trouvez une sortie par là. Mario, Luigi, je compte sur vous. Avec Étoile d'Or, nous allons réfléchir à un plan d'action. Ok. Ok. Ah, ça veut dire qu'on a plus l'étoile avec nous. Let's go. On a plus l'étoile avec nous. Ça, c'est bon, ça. Ah, j'ai rien dit. Après discussion, nous pensons que le mieux est d'explorer les alentours. Alors, tu penses pouvoir trouver une sortie? Apparemment, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de sortie ici. Ah, je vois. Bizarre, ces discussions-là. Il ne reste plus qu'à attendre un autre changement se produise. Ah! On rechange de... On rechange de scène. Bowser le roi maléfique, coincé dans le sol de son propre château, en se débattant. Qu'est-ce qui se passe? Ça me chatouille le ventre, ça fait bizarre. Oh non. Oh, te laisser gagner contre Metaboss avant de t'engraisser contre un, comme un pourceau? Tout ça faisait partie de mon plan. Cette fois, pas comme vite. Mais regarde-moi ça, tu fais moins me fier maintenant. Bon sang. Et qu'est-ce que vous fabriquez en bas? En fait, il y a eu un changement de programme. De programme? Comme tu as avalé la princesse Peach, le royaume champignon est à moi. Mais ça pose un problème et maintenant j'ai besoin de la princesse. Quoi, la princesse Peach? J'aurais avalé la princesse Peach? En effet. Mais maintenant j'ai besoin d'elle. Comment ça? La princesse Peach est dans mon corps? Allez, sors de là! Sors de la princesse Peach! Merde, j'ai tout cassé. Ah! Il a besoin de vous, princesse Peach? Mais pourquoi? Ce Krakowitz va vouloir s'emparer de l'astre noir. Pourquoi forcément noir? Qu'est-ce que c'est de merde? Bah faut bien apporter une petite dimension sympa, Vincent, tu te doutes bien. Hein. L'astre noir! Tintin! Ah, je vais peut-être vous mettre cette scène-là du coup. Jadis, une étoile qui somnolait dans les profondeurs du royaume a été déterrée. C'était en fait une terrible étoile renfermant la puissance des ténèbres. L'astre noir. Ok. Si une personne au cœur noir venait à s'en emparer, le monde serait plongé dans les ténèbres. Et cette personne deviendrait le maître du monde. Jusque-là, je te suis. Craignant ceci, les esprits des étoiles, au prix de nombreux sacrifices, parvinrent à sceller l'astre noir sous les profondeurs du village des Todes. Et pourquoi du village? Pourquoi sous le village des Todes? Bah je vois. Alors ils essaient de s'emparer de cet astre noir. Mais pourquoi a-t-il besoin de vous, Princess Bridge? La seule personne qui puisse lever le sceau qui retient l'astre noir prisonnier sous terre, c'est moi. Révélation! Révélation! Bah, qu'est-ce que c'est que ce bruit terrible? On dirait que ça vient de la salle d'à côté! Bah, on va aller voir la salle d'à côté! Oui! Mario, Luigi, allez voir! Je reste ici pour protéger la princesse Bridge! Oh, tu sens l'arnaque? Tu sens l'arnaque? Tu sens l'arnaque? Oh, je sens l'arnaque de l'étoile dorée là. J'attaque la princesse, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Non, non, partez sans nous, partez sans nous. Nous, on reste là. On se s'emballe. Ah ouais. Oh, Karnema, on sait pas, justement. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Pardonnez-moi, j'étais inquiète, donc je suis venue. Et merde. Non mais vous bougez pas, Jean. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Princesse d'énigme! La princesse d'énigme! Princesse! Salut les pauses. Maintenant que tu es devenu un gros tas de grabosaur, je vais m'emparer de la princesse Beach. Elle est lourde. Elle est lourde carrément. Quoi, sale vermine? La princesse Peach est à moi, rends-la-moi. Mais hein, tout est prêt à présent. L'ère de Gracovis peut commencer. Bon, Bowser, utilisons ce machin pour maigrir un peu. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Ah, donc Donc princesse Peach n'est pas fit. Au contraire. Métaboss, aide-moi! Ouais, Métaboss! Métaboss! Comme par hasard. Wow! Ah. Mes jambes courent toutes seules! Encore! Encore un effort! Ouais, c'est chaud, mais qu'est-ce qui brûle? Les graisses. Hein, c'est moi? Je brûle? Je brûle? Oh, la chance, mais moi aussi je veux mérir comme ça, par contre. Oh, toute la graisse que j'avais emmagasinée a brûlé. J'ai réussi mon régime. Oh, chance. Chance. Bon bah, demain je vais à la salle de sport, je fais ça du coup. Mais en fait, c'est quoi cette pièce? Oh! Attendez. Voyons voir. Entrepôt de bonbons, ne pas jouer avec le feu, risque d'explosion! Oups. Oh, attends, attends! À toi! Ah mais si on m'avait dit qu'il fallait juste faire du tapis rouge, du tapis de course méga vite, j'aurais jamais cru. Oh putain, on revient au cap. Ah. Évidemment. Évidemment. Mais c'est quoi cet endroit? Ah. Bam! Et sauvegarde. Oh mais le menu est de pire en pire. On pourra même plus sauvegarder à la fin tellement ça va bugger. All in one! Ah. Hello mister, how you doing? Comment allez-vous? Vous cherchez toujours des chablocs, right? Non, je pense que ça va. En vrai la petite carapace dure, non? Ah, 70 de... Ah bah ouais. Large. On essaye de la choper en... Le vous gratter une carte de Reduc? Oui, là. Et merde. Dommage. Oh, it's perdu, vous serez plus lucky next time. Saloperie.
Bon, on va les garder, on peut les garder. Plus cher pour vous, mister, dégage. Ah, attends, c'est quoi cette histoire? Y'a un tuyau pour monter tout en haut? Ok, nice. Ok, l'ambiance est folle. Bon, on y va alors. Ah oui. Waouh. Pas moins waouh. Ok. Qu'est-ce que ça? Showtime. Oh, bien joué. Il va baiser. Attention. Ah, moi j'imagine. Alors, attention, je suis sûr qu'il va avoir un petit chat en lui. Oh, c'est fou! Oh, c'est fou! Un petit chat bloc. Je suis trop fort en fait. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. C'est que je suis trop fort en fait. Oh là, sérieux. Ok, belle attaque. Nice. Ça marche après. Ok. Boum, 101, il est même pas dead. Eh ben. Bâtard. Mais comment je suis censé savoir qu'il va me sauter dessus? Eh ben mon salaud. 210 d'XP par contre hein, les Goomba Four c'est... C'est God Tier par contre. Oh, c'est quoi? Des gros spéciaux? Bon, le max de PS, à chier. La scène en sueur. Putain, mais oui, la scène, excusez-moi, la scène, mais je dois reprendre le coup de main, vous m'excusez. Faut pas que j'oublie que, du coup, quand je change de scène, je dois... Enfin, quand je fais un combat avec Bowser, je dois changer de scène deux fois, à chaque fois j'oublie, j'y peux rien. Mais putain! Oh, les dégâts sont lourds en fait. Ah mais j'avais pas vu qu'en haut il y avait les... Alors, j'avais pas vu que les nuages qui fait en fait ça te dit quoi faire. Bon, point, ok. Ok. Au départ, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Point, carapace. Dead. Pa 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 p
Oh, il y a un 5 en vitesse. Ne cherchons pas. Attends. C'est en attaque? Non. Non, petit 5 en vitesse, c'est bien. Bien, ça bug. Nice! 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 Si je peux essayer d'avancer un petit peu sans faire 800 combats, ça m'arrangerait un peu. Ok, donc il y a un truc en haut et en bas. Allons voir en haut. Évidemment que je vais faire le 5, bien sûr. Ça, c'est la base, ça. Au talent. Au talent, j'arrive à deviner lequel il faut, dans lequel il faut aller. Ouh. Ah, mais beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient stuck à la fin, à un moment du jeu. Ouais, ça m'intrigue. M'intrigue votre histoire. Hâte de voir ça. Wouh! Wouh! Très bien. Ok. Ok. Ah, est-ce que, du coup, prendre le tuyau vert, est-ce que ça me ramène au tout début? Ah! En effet, ça me ramène au début. Alors, je vais prendre ça juste. Mais putain, ah, la scène! J'en peux plus. Je n'y penserai jamais, je suis désolé. Désolé, vraiment, je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est un enfer. Je vous dis, c'est un enfer, je ne pense jamais. Salut Kevin. Salut Lou. Et les petits chats, il y en a plein. Oh my, il m'avait apporté des chablocs comme c'est aimable de votre part. Thank you, merci beaucoup. Allez les petits mignons chablocs, allez voir Toto Charlie. Nice. Je compte sur vous, mister. Parle-moi des chablocs. Ok, donc pour l'instant c'est bon, je suis dans l'ordre. Les chablocs, je suis dans l'ordre. Très bien. Tout ce que je voulais savoir. C'est bon, plus pratique pour se balader ce truc là, bordel. Alors tu veux t'envoler, man? Ouais. Pardon. Enfin quoi les chablocs? Bah avoir des items exclusifs principalement. En tout cas c'est la base du truc. Ah putain mais lourd en fait. Lourd en fait, ça sert juste à rien de passer au dessus en fait. C'est bien. Mais en vrai, boostez-le. Point. Ok. Nice. Voilà. Point carapace. Wouh, 110.
Let's go. Un petit poulet pissé en plus avec. Parfait. J'aime bien cette musique. Ah, on va enfin avoir un truc des bombes. Le truc pour péter les... Ouh. Wow. Je voulais tester un truc. Est-ce que je peux faire ça? Ah non, ça en met qu'une à la fois. Oh. C'est chiant. Mais non, c'est pas un spoil, le truc du chien, il le dit, ouais. Il le dit en effet. Il y a 5 point point. En vrai si on a 5, vas-y il faut les aspirer comme ça les deux loustiques. Les deux loustiques ils vont servir. Sur les murs. Mais ça va. Oh. On peut faire des erreurs. Nice, my boy. Ok, hein. Oui, mais là-bas en bas de plaine, elle va juste me heal. Ils en ont besoin, certes, mais c'était pas non plus la révolution. Nah! Nice! Bien. 27, ouais. Bien. Ce jeu est incroyable, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Ah! Genre... Excusez-moi, j'ai entendu un truc. Ah mais non, on s'en fout. Ouais, j'ai entendu un truc, mais on s'en fout. Y'a combien de temps de jeu sur ce jeu-là, actuellement, je dois être à 7-8 heures. J'ai fait un stream mardi de 6 heures, et là, on est au deuxième stream. Ça fait 1h30. Donc, ouais, tranquille. Ah, je fais joujou. Hein. Un point, point, un point. 150 d'XP, ils ont pris les deux bugs. Mais quoi? Comment ça, 150 d'XP? C'est énorme. I got it. Yes. Pardon. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Ah, nice. Renfleur. Renfleur dans le même bouquet. Et 4 en défense. Est-ce que j'ai un 4 en attaque? Non. Ah mais augmenter la défense c'est chiant. Ah, il y a un 3 en moustache. Il y a un 3 en moustache qui peut me plaire. Je l'avais eu. Nice. Ok. 48 en moustache.
Let's go la flowers. Du premier coup, bien sûr. Toujours du premier coup ici. Comment ça, zéro en moustache? Comment ça? Oh, il y a un 4. Oh là. Putain. Wouh! Oh, les 60 moustaches! Comment tu fais ça? Bah, on est sur un émulateur, donc on peut se permettre de faire ça. Une carapace de... La carapace de pierre? Ah, bah, je vais pouvoir lui rendre comme ça. Quoi de me casser la gueule, hein? Ah, mais tu te fous de ma gueule? Ah, mais non, elle a chié. Allô? Bah, ça, elle est à chier. Elle est à chier, je suis désolé. Merci à Nat pour le 15e mois. Merci beaucoup. Et le tiers de. Merci beaucoup à Nat. Attends, mais du coup, eux là. Hop. Et hop. Et bah voilà, mon bon monsieur. Merci beaucoup. Alors, faut réussir à les timer du coup maintenant. C'est-à-dire que j'arrive là, je fais ça. God damn. Dommage. Nice. Nice cock. Pardon. Ok. Ah oh ouais, c'est first try. Une bague aléa. Je m'en branle. Je m'en branle, je préfère garder l'anneau chance. C'est plus marrant. Bel obito. Bam, dans le bac. Dans le bac directement. Oh oui, le pex. Oh, le pex pour les deux loustiques en bas. Boum. Peut-être que je leur donne des sirops à ces cons, hein, s'ils ont plus de points de magie à chaque fois. Hein. Le problème c'est que vu qu'ils prennent pas de dégâts de lance-flammes, je pense qu'ils vont pas prendre de dégâts des flammes, des feuilles de feu. Enfin, des fleurs de feu, pardon. Mario, tu dégoûtes. Voilà, faut le savoir. Mario, tu dégoûtes. Nice. Nice. Putain. Faut toujours que Luigi nettoie le travail, hein. Ça c'est... Point et point. Let's go le pré-shot. Et il est des. Ah la tristesse. Il serait déjà mort normalement là. Merci. Il est décédé. Et bam le pex. Ah oh, le pex c'est bon quand même. Bordel. Un petit 3 en corne peut-être. Ouais. Ouais non c'est quoi, j'ai même pas cherché à faire. Là on va récupérer le 3 cornes. Mais ça bug, au secours.
Ah, c'est bon, ça bug plus. C'est bon, tout va bien, ça bug plus. No worries. Ah, ça, c'est le raccourci. Mm-hmm. La tristesse. Salut Lise. Il est ? Bah il est. Je suis tué, il est. Enfin c'est la conjuguée. Enfin ouais. C'est un classique quoi. Juste pour voir si vous souvenez de vos classiques. Désolé hein. Ok, suivant. Quelle voix je fais aux taupes? Ah bon, on va faire comme les taupes de Dragon Quest. Eh, on n'avance pas du tout depuis tout à l'heure. Augmenter la puissance de la foreuse. Mais aidez au maximum. Vous ne devez pas abandonner et garder espoir jusqu'au bout. Nous sommes les ouvriers d'élite choisis par Maître Bowser. On ne peut pas s'incliner aussi stupidement. Eh, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, Maître Bowser. Oh les gars, on fait une pause. Un tunnel secret que vous nous avez ordonné de forer avant sans problème. Un tunnel secret? J'ai jamais entendu parler. Vous avez ordonné de creuser un tunnel pour pouvoir vous enfuir facilement après avoir enlevé la princesse Peach. Tunnel secret, nom de code, projet B. C'est à nous, les frères Topitop, que vous avez confié ce projet. Maintenant que vous en parlez, ça me dit vaguement quelque chose. Mais je vous observe depuis tout à l'heure et vous avez pas avancé d'un pouce. Vous avez besoin que je vous motive ou quoi? Non, non, nous sommes désolés. En continuant, on devrait arriver sous la ville des Todd, sous le village des Todd. Ah pardon. Mais la terre est trop dure, on peut pas forer. Sous le village des Todd, vous dites? Ouais, il se trouve... Je sais plus quelle voie j'ai fait. Ouais, il se trouve droit devant. Très bien, alors continue à creuser et que ça fort. Mais Sef, la terre est bien trop dure, on n'y arrivera pas. Ah, quelle bande de bons à rien, je vais m'en occuper. Maître Bowser, vous êtes sûr? Ah, oula. Pourquoi? Il y a la nouvelle zone, il y a la nouvelle zone. Et encore une idée quoi? Encore une idée avec un ingrédient principal, la force le brut. Quel génie, quelle originalité. Eh ben allons-y. Mais d'abord, forme d'étonne. Et on change de scène aussi. Il chiale lui. Maître Mario, Maître Luigi, j'ai appris la nouvelle. Son Altesse, son Altesse. Elle a été enlevée par un odieux personnage. Pourquoi causer tant de soucis à un vieillard comme moi? Allez hop. Sans branle. Eh, des nouveaux équipements. Des nouvelles salopettes. Oh, et la moustache, tu vois. Y'a pas de nouvelles salopettes! Ah, mais j'avais pas pris celle-là. Eh ben, on achète. Ah! Ah non! Ah bah non, du coup. Ah non, non, on garde le bleu combattant, du coup. Nice! 10% de réduc. Waouh! Ça c'est beau ça! Non, c'est bon, c'est fini. On va juste aller se heal. Moi aussi c'est restauré. Ça a quoi la moustache? Ça augmente les chances de coup critique.
Et ça te permet d'avoir des réductions dans les magasins. Là, les défis, ça m'intéresse aussi, hein. Faut qu'on la fasse à un moment. Zone énergétique. Salle des jambes. Qu'est-ce que c'est que ça? La musique est bien. Alors, il faut stimuler les muscles de Bowser pour augmenter sa puissance. Oh non. Oh non. Pas ça. Alors, sauter ne suffira pas à les stimuler. Il faut appuyer sur le bouton au moment où vous intéressez pour exercer une pression. Ah! Ah! D'accord! J'avais pas compris ça comme ça. Maintenant, à toi, Luigi! Ok. Ok. Appuyez sur le bouton de celui d'entre vous qui se trouve en bas. Alternez gauche et droite, sautez de plus en plus haut. Hein? Pour sauter de plus en plus haut et exercer une pression plus forte. Appuyez sur les boutons au bon moment pour continuer de sauter. Ok, on y va. Ah, si vous maintenez les boutons enfoncés, vous exercez une pression continue. Vous essayez de stimuler les muscles en maintenant les boutons enfoncés. Ok. Su. Out. Su. Let's go. Qu'un abus. Ah. Qu'est-ce qui se passe? La batterie de la foreuse ne tiendra qu'une minute trente. Si elle tombe à plat, il faudra revenir à changer. Quoi? Une batterie coûte 50 pièces. Je suis sûr que Maître Bowser la paiera de bon cœur. De toute façon, il n'aura aucun problème à arriver au village d'Etod en moins d'une minute trente. Je préfère que je mette quelle scène en priorité? Parce que bon. Bah écoutez, trop tard, on va mettre celle-là. Hein. Bowser? Ok. Mario? D'accord. Bowser, ok. Vous me dites, hein. Boum! Mario, ok. Peach, j'ai pas de cette Peach, les gars, désolé. Les deux, j'ai pas, malheureusement, désolé. Luigi, ok. Macam, ok. Merde, j'ai raté avec vos conneries, putain! Ah non, j'ai raté avec vos conneries. Oh, quelle tristesse. Bowser, ok. Mais ouais, c'est foiré du coup, c'est foiré. Ah, Nick. Allez. Oh, j'ai envie de crever. Ah. Ah, c'est quoi ces batteries à la noix? Seulement une minute trente? C'est notre fourrure, elle est vraiment très puissante. Changez vite la batterie. Maître Bowser, une batterie pour la fourrure coûte 50 pièces. C'est bon, je vous la paye. Allez, maniez-vous. On va être crevé. Qu'est-ce qu'il y a? Engin, on va voir ce qui se passe. J'espère que le tunnel que vous a donné tant de mal à forêt, ça ne s'est pas effondré. C'est terrible! Le tunnel que Maître Bowser a eu tant de mal à forêt, s'est effondré! Faut arriver au village d'Etod dans une minute trente, c'est ça? Pas question de se mettre un genou à terre. Putain. Ah, Bowser, pardon, ok.
Wario, d'accord. Wario, j'ai pas, désolé. Bowser, ok. Non, j'ai fait une fois la connerie de mettre ma cam, je l'en fais pas. Luigi, ok. T'inquiète, il sera arrivé dans 30 secondes. Y'a pas de problème. Nice. Nice. J'y suis allé un peu fort. On est arrivé au village des Toads. C'est la fête. C'est vrai. Merci à Romé pour le deuxième mois. Merci pour la rentabilité des 50 pièces. Ça fait plaisir. C'est quoi ce boucan? Un truc repéré. Ah bah il est encore dead. Bah c'était quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah juste dead en fait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allons faire un petit tour pour explorer les environs. Ok. Allons dans la zone énergétique. Par contre y'a plus de musique. D'accord, je peux pas y aller maintenant. Si je peux y aller maintenant. Ce que je dis moi. C'est quand même nul hein, ce qui vient de se passer. Ah, tout ça pour ça. La vie n'est que souffrance de toute façon. Nouveau combat de géant. Oh non. Oh non. Please. All but not that. Ah, mais on est... faut que j'aille la foire au tuyau. Ah. Oh non. Oh merde. Ah Mario. Ouais, j'essaie de faire une voix de Toad, mais je sais pas la faire. Grâce au Velocham de tout à l'heure, on dirait qu'on peut avancer plus loin. Regardez. Ouais. Dans cette salle sont rassemblés tous les tuyaux que Bowser a avalés. Non, mais comment il fait pour avaler tout ça, ça rentre dans le cerveau? Tout à fait. Les tuyaux qui sont ici peuvent vous transporter un peu partout dans le royaume champignon. Vous allez pouvoir sortir d'ici en les empruntant. Ah ouais, vraiment? Entrez dans ce tuyau. Mais on peut sortir. C'est maintenant qu'on sort. Mais j'ai compris. Really? C'est fou cette épée. On a enfin réussi à sortir du corps de Bowser. Et maintenant on se retrouve dans ce souterrain. Bah mais on fait comment? Comment? C'est le sous-sol du village des Toads? Vraiment? Bah si tu le dis Mario, ça devrait être vrai. Ah maintenant que j'y pense, Princesse a bien dit que... l'astronaute se trouvait sous le village des Toads. Oui, 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 oui. Bah, vous avez entendu? C'était Gracovitz. Oh c'est terrible, Gracovitz a enlevé la princesse Peach.
Il ne faut surtout pas qu'il s'empare de l'astre noir. Retrouvez l'astre noir avant la Covid. M'emmerde. Si vous êtes perdu, vérifiez où vous êtes avec la carte de contacter des bichons. Mais je sais, bordel, je sais. Ah putain, je n'ai pas changé de scène. Mais je t'ai... Ah ! Ça va, vous ? Moi, ça va. Moi, ça va. Pas de malaise. Ça va. Ouais, faudrait que je regarde de retour OBS avant de jouer à mon jeu, en fait. Je me rends pas compte. Quel enfer. Ça sert à rien, ça. Allez! Ah d'accord, c'est... Quoi? Let's go. Je vais avoir... Ah mais ça change de... Ah ça change de scène! Nick! Nice. Utilisons ça pour comme ça moi ça blisse avec les notes plus. Attends mais c'est genre si je bute pas avec le bon ça il va en appelle d'autres. J'ai l'impression que c'est ça hein. Bien. Il y a tellement de fois par contre. ...250. Ok. Bah avec plaisir je les retape alors hein. Let's go. Okidoki. Il faut changer de scène. Hop là, c'est le Baltos. Oh putain. Dégage. J'aurais pu le terminer, je pense, ça aurait marché quand même. Évidemment. Let's go. Le pec c'est bon. Le pec c'est très très bon. Qu'est-ce que ça? Eh ben. Merde. Je
Ok. Ça va être un monstre à la con quand même ça. C'est un monstre à la con. J'ai jamais les coups spéciaux alors que c'est ultra fumé. C'est pas si fumé que ça en vrai. Hein. Je trouve que vous abusez sur le terme, c'est giga fumé. Hein. Il y a un abus. Hein. Ok. Nice. Mais non mais j'irai putain, non mais je me doute bien que c'est fort, mais pas contre un groupe de 3 mobs. Contre un boss, oui, mais pas contre un groupe de 3 mobs. T'inquiète pas, je les lis hein, les trucs, t'inquiète pas, je fais pas les choses à la moitié. Hein. Je sais très bien pourquoi je fais ça, y a pas de soucis. No worries. La défense. Ouais, possiblement la défense. Hein. Ouais, la défense. Hop. Hop là, first try. First try le 4, let's go, on est là. Yahoo! Il y a un 3 moustaches, ça part. Il est si loin le 3. Mais quoi? Nice! Let's go! Ah. Au secours. Oh, let's go. Pour les 40 ans. Il est déjà 40 ans de chaîne YouTube, Sifano, putain, let's go. Oh l'ancien. Tu vois, c'est fort, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Oh, nick. Et du coup, non, ma non, j'étais pas au courant. Moi, je cours d'autres choses qu'il y aura cet été, mais ça, c'est pas à moi de les annoncer, évidemment. On se fait des thunes et de l'XP avec ces mobs, c'est incroyable. Ah c'est pas... Moi je dis rien. Je dis c'est pas à moi de les annoncer ce truc. Hein. Wouah Mario, j'ai descendu... Quoi? Hein? T'en fous. Mais quoi? Il n'y a pas de technique qui permettrait de frapper un objet éloigné. Bah d'accord, je l'ai pas encore. J'ai pas encore les thèmes.
Donc je veux pas que je passe par là. Est-ce que prendre ça, ça donne un intérêt? Oui. Ça donne un intérêt. Ça donne un intérêt. Wouh! Let's go! Je vérifie quand même. J'utilise DS Mume. Le même émulateur pour tous les jeux DS que je fais. Ok. 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 C'est vous qui avez frappé le gros bloc qui se trouvait là? Vous l'avez frappé, j'ai vu! Vous avez vu? Dans ce gros bloc, il y avait plein de carapaces. Et vous deux, sans vous gêner, vous les éparpillez? En ce moment, tout un tas de blocs carapaces se sont éparpillés dans le royaume. Et ces carapaces, elles étaient à qui? Vous savez, hein? Rendez-les! 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 La ferme! Ok, l'ambiance est folle. On va vous demander de les rendre. Eh oui, regardez, c'est des carapaces bleues de Mario Kart. Ah bien, vous regardez, vous avez une bonne tête. Eh toi, t'as déjà porté une carapace? Les carapaces, c'est assez lourd. Ma et ma. Ouais, il y en avait plein. Tu comprends? Mais comme t'as une bonne tête, je vais peut-être vous pardonner. Je sais, on va faire un jeu. Tu verras comme c'est lourd une carapace. Si tu gagnes, on fera comme si rien ne s'était passé. Hé! 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 Voilà un des blocs carapace que t'as éparpillé. D'abord frappe-le. Oh, ça te va pas mal? Mais hein, les règles sont simples. On va voler très vite et tu dois nous dégommer. C'est tout. Arriveras-tu à bouger avec cette lourde carapace? C'est comme la masse qui me vole. Excusez-moi, je fais une sauvegarde. Merci Furious pour le 28e mois. Merci beaucoup Furious. C'est pas banal ça. Très bien, essaie donc de nous toucher avec cette technique. Pourras-tu être aussi rapide que moi? C'est parti. C'est parti, allez hop 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 hop. Touché. Un. A point. Je débrouille pas mal, mais que dis-tu de ça? Merde. J'en peux faire les deux d'un coup. T'es un vrai dur! Tu supportes le poids d'une carapace embranchée! Ça faisait longtemps que j'avais pas croisé un type comme toi. J'aurais pouvoir utiliser les carapaces sans problème. N'hésite pas à frapper les blocs carapaces. Ah, encore une chose! Hé! Hey. Prends ça. On a une attaque gratos comme ça du coup. Bah let's go. Ok. T'attaques la carapace bleue je suppose. Même pas. Oh les barils cloneurs! Mémoriser qui est dans quel barrel, tire appuyer sur A pour B. Ok. D'accord. Non, pas de démonstration.
Ça devrait sûrement vous être très utile. Vivre avec le poids d'une carapace sur les épaules, ça sera pas facile tous les jours, mon gars. Bah ça va, en vrai. Quoi ? Comment est-ce qu'on enlève la carapace ? Tu veux déjà l'enlever ? Ah bon ? Il suffit de sauter, la carapace s'enlève. Mais dis-moi, est-ce que tu arriveras à sauter avec une carapace sur le dos ? Wow ! Mais t'es qui, toi ? Enfin, peu importe, t'es un drôle de type. C'est la fête ! Wow ! Merci Darren Lapresse. Merci beaucoup pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Si tu veux porter une carapace, frappe un des blocs de carapace que t'as éparpillé. Allez, à la revoyure! Ouais, bye! Bye. Ok. Donc, on a débloqué les blocs carapace. Les blocs carapace, ouais. Mais t'es qui? Bon, je me fais passer par ici, moi. Une ceinture à Léa. Bon, c'est la même chose que la dernière, c'est la même chose que pour Bowser, mais pour eux quoi du coup. Ah, j'ai pas fait de revenir en arrière moi. Et du coup les blocs carapace du coup vont être là-bas maintenant. Pour du coup activer le bousin. Je suppose. Mais frère, non mais... Poké-Click, depuis tout à l'heure, c'est très marrant parce que j'arrête pas d'avoir des mises à jour. Ça veut dire qu'en fait, la mise à jour qu'ils ont fait tout à l'heure, elle est ultra instable, ça veut dire. Parce que vraiment, c'est la troisième mise à jour de la journée. C'est affolant. C'est affolant. Mais d'un côté, ça m'a rappelé de lancer le Battle Frontier, donc c'est bien. Yeah! Let's go. Ok, on peut pas aller aussi loin. Yeah! Nice. Petit labyrinthe. Non, j'ai oublié, faut que je bouge ce pont là. Non. Non, là j'ai la 0.9.5 ADL là. Pour te dire. Ok. Et ça c'est quoi du coup? Ah oui d'accord, c'est la même chose, ouais. Oui d'accord. Oui d'accord, c'est la même chose. Aller voir ce qu'il y a là-bas. Voilà le cut. Le petit cut directement. Très bien. Bien. Ensuite.
Là. Et donc maintenant, il faut que là-bas, on arrive à taper le bloc qui est juste là. Sauf que... Du coup... Sauf que... Et merde. J'ai glissé. Il a glissé. T'as déjà pensé à refaire des jeux du style Paper Mario Simulator? C'est pas prévu pour l'instant, mais un jour peut-être. Ne jamais dire jamais. Voilà. Ensuite ça. T'as tout compris, mon grand. Et ensuite ça. Il a tout compris! Parfait. Et voilà! La porte est désormais ouverte. Alléluia. Ok, une zone de save en général. Des zones de save comme ça. Ouais, on sait très bien ce que c'est. Mario! Même toi, on te laissera pas passer! Une chose est très importante et conservée ici! L'astre noir, c'est ça! Dites, vous avez pas vu Grinkovit? Grinkovit, c'est qui ça? Oh, c'est bizarre! Mais qui étaient donc ces gens étranges qui étaient dans le souterrain? Des gens étranges? Ah! Comme ça! Ok. Mario, po Mario. Nice. Ils ont tenté de le bluff. Ok, vas-y, go. Non, j'appuie sur B. Nique sa mère. J'ai fait n'importe quoi. Putain, j'aurais pas dû perdre autant de vie et de points de magie. Enfin merde, Nick. Un super syrup. Let's go. Ah. Excusez-moi pour les bâillements. Quelle splendeur et regorge de pouvoir des ténèbres. J'en frissonne. Non, on arrive trop tard, c'est Grinkovit. Ah, on est dead aussi, ouais. Ah, dommage, fou. L'astre noir est maintenant à moi. Vous voulez le voir? Vous voulez voir mon astre noir? Non, ça ira. Regardez, il a l'air diabolique. Il est plein de pouvoir des ténèbres. Je vais mettre le royaume champignon sans le zou le zou. Fululululu, il sera à moi. J'ai hâte, vous tremblez devant moi. Tous ceux qui se mettront sur ma route disparaîtront. C'est la fête. L'ambiance est folle. Merci Suzu pour le sixième mois, merci beaucoup. Mario, pardon.
l'astre noir enferme une terrible puissance maléfique. Vite, retrouve-le. Ah, la princesse a été enlevée, l'astre noir a été volé. Ah, le royaume champignon est en grand danger. Ah oui, il faut récupérer l'astre noir avant que le sceau ne soit levé. Mario, Agrakovitz a dit qu'il voulait s'emparer du château de Peach. Prenez cette porte et vous arriverez au village des Toads. Oh, dépêchez-vous. En train de crever, mais on va le laisser là. Hein. Allez, à plus, Todd. Hein. Décède bien. Hein. Et reste fort, surtout. Hein. Oui, il me dit d'aller à gauche, je vais à droite. Hein. Voilà pourquoi. Tu vas pas me faire avoir, moi. C'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Oh, un bonbon étoile. C'est quoi le bonbon étoile? On rend tous les PV et tous vos PV. Ok. Ok. Ah ok, tout est fermé ici. Ça c'est pas trop désagréable pour vos oreilles. Poréon, poréon. Nice, ça touche. Salut Agathe. Enfin Agathe, waouh. Les anciens. Ça va Agathe. On a l'honneur d'avoir un modérateur OTP. Wow! God damn! Merde! Nice! Nice! Et ça meurt du feu. Ah bon. Ça va mourir de ça, c'est plus simple. Point à point! Tout, 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 tout. Les anciens, ouais, bah elle fait partie de la commune ancienne, Agathe. Même si toi, tu n'es pas une ancienne en soi dans la vraie vie, t'es une ancienne de la commune. À ne pas oublier. Non, mais vas-y. Bon, déjà, on va faire ça. Oui, monsieur. Je viens de la grand-mère de la commune. Ah bah écoute. J'aurais pu dire le meuble Ikea de la commune, mais écoute. Utilise les termes qui t'intéressent. Oh non. Un HP. Ce bruit. Blé. Salut Grimmins. Salut Grimmins. Du meuble Ikea. Ah ça va. Ça va. C'est bon, valide le meuble Ikea. Let's go. Ça va alors. Si on valide le meuble Ikea, moi c'est bon. Ça me va.
Let's go. 50 balles. Tout ça pour 50 balles. Et un Mars. Oh, le super sirop. Encore ? Bon, au moins ça innove quoi. Point, point, point. J'espère que ça va bien. Mais ça va, Gat, ça va, tranquille. Ça va bien, ça va bien. En même temps, comment ne pas aller bien, regarde. Ah, bah sinon, j'ai vu que j'ai oublié la scène, ça va très mal. Ça va très très mal du coup. Regarde, je peux faire les jeux que je veux, on passe un bon moment. Que demander de plus quand tu stream finalement? Ne pas se forcer à faire ce qu'on... à faire des trucs. Non, franchement, on est bien. On va voir quand j'oublie de changer la scène. Et là, le chat, bizarrement, devient très agressif, mais... Oh, quoi? Ah, mais au bout d'un moment, je peux pas tout faire. Hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ce qu'on a fait là. La petite noisette. Nice. Eh merde. Mais... Moi quand je suis malade. Et le double level up, monsieur. Bah bien sûr. I got it. Qu'est-ce qu'on peut augmenter d'intéressant? Non. L'attaque en vrai. Oh, y'a pas de 4 en attaque. Oh, y'a un 5 en point de magie, ça c'est intéressant. Ouais. Ouais, clairement. Hop. C'est bizarre, ça bug. Ah, c'est bon, ça bug plus. Ah, les plus 5 points de magie, ça fait plaisir, ça, par contre. Augmenter les PS, bah j'ai un peu pris de court quoi parce que je l'ai fait juste avant. Une fois que ça bug, t'as vu? En fait ça rollback quand j'ai pas le maximum, je comprends pas pourquoi, c'est assez chelou. Ah, mais je pense que c'est l'émulateur qui bug un peu, c'est... Bon. On va faire avec hein, mais c'est un peu relou. Bah tiens, hop, allez. Merde. Putain, mais ça bug. Ça bug. Mais allô? Pourquoi ça bug comme ça? Mais c'est insupportable. Mais vas-y, l'émulateur il bug. Mais ça dégoûte. Non, mais c'est insupportable. Ah, c'est bon, il bug plus. Bah non, y'a trop de bugs, c'est insupportable. Putain, non mais l'émulateur, ouais, c'est pas parfait, hein, c'est insupportable. Hein. Oh là là, oh là là. Oh, c'est chiant. Ah. Mario, Luigi, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous deux, la princesse Peach, Papi Champi, vous êtes tous disparus, y'a plus personne au château. Bah, on s'est fait aspirer la gueule. Quoi, Kakrovitz? Je sais pas trop. L'accès au château a été interdit. Mais toi Mario, je suis sûr que tu te laisses rentrer. Si t'allais les voir. Oui, allons-y. Ouais, en plus bizarrement, ça bug vraiment quand je monte de niveau. Genre, ça n'a aucun sens. Genre, ça n'a vraiment aucun sens, genre. Ça te trouve de mettre à la sortie du village? Oui. Oui. Mario, j'ai entendu dire des choses. Dis-moi, est-ce que tu peux te faufiler sous terre? Non, tu ne peux pas, c'est dommage. On va me voir quand tu... Ok. Regardez, ça bug. Regardez, même là, regardez, ça clique. Enfin, ça... Merde, ça brille. C'est insupportable. Ah, je peux éviter d'aller au château. Let's go.
Ah, il y a aussi une... Ok. Ça, je le reprends, ça, je le prends, ça. Oui, ça fait du flickering, ouais. Ah, c'est un peu bête, hein. Tout le monde a oublié Bowser ou c'est moi? Ouais, bien sûr. Bien sûr, tout le monde a oublié Bowser, tout le monde s'en branle maintenant. Bah, c'est... Ah, c'est formidable, vraiment formidable. Le pouvoir des ténèbres de l'astre noir s'amplifie. Maître Krakowicz, à présent le monde est à nous. Maintenant que tu dis ça, j'ai un peu le trac. Mais ça ne fait que commencer. Le pouvoir de l'astre noir ne s'est pas complètement éveillé. Ça prendra du temps pour extraire tout son pouvoir à l'aide de la princesse. De la princesse Peach. Dur de rouler les R comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un s'approche du château. Ouh, c'est de la folie! Nul ne peut rien contre ma barrière fabriquée grâce au, au pouvoir de l'astre noir. Oh putain. Ouh. L'astre noir! Le pouvoir de l'astre noir commence à s'éveiller. Faut se débarrasser de cette barrière. Bah comment qu'on fait pour taper la barrière? Ah t'as raison, retournons au village pour élaborer un plan. Ah oui ça c'est... Alors attendez, c'est comme ça qu'on fasse. Oh oui, dommage. Mais il vous reste encore un peu de répit. Au moment où le sceau de l'astre noir sera levé, le royaume champignon sera plongé dans les ténèbres. En attendant, vous n'avez qu'à aller faire du lèche-vitrine. Ça va vous? Ça va vous Ça va? C'est ça qu'on pourrait, on pourrait contourner quand même, bon. Et du coup, il faut faire quoi? Ok, je peux rien faire pour l'instant. C'est comme les rollbacks, bien sûr. Le quartier marchand est ouvert. Les travaux sont terminés. Ok. Comme par hasard. Bon, enfin. Oula! Oula! Mais construire un quartier marchand avec nos endroits pareils, c'est n'importe quoi, la priorité devrait être à la roulé-boulite. En effet, la roulé-boulite fait des ravages quand la princesse Peach a disparu. Mais c'est justement que des moments comme ça qu'il faut remonter le moral des gens. Oui, sûrement. Ouais. Des gros toads. Je peux entrer? Oh! Bonjour. Dis Mario, tu fais attention à ta santé? Tes sauts sont toujours pleins d'énergie. Non. Non, je mange quand même un énorme tar. My Todd? Ma rouliboulite? Mon nom le tampignon veut le résultat. Je m'ai vu bouger. C'est fait. Ok. Et c'est un peu le bordel ici, en tout cas. Mario, aide-moi! Oui. Oh, Is! Oh, j'arrive pas à bouger. Dire qu'on venait de la rénover! Mais, gamin! Papa est devenu tout rond, il roulait, puis boum, il a tout cassé! Est-ce que moi aussi je deviendrai comme papa un jour? Bah ça dépend ce que tu manges mon grand. Alors par contre, alors notons évidemment que les parents ont mis le lit du bébé, enfin du gamin entre les deux, ça veut dire que vraiment la famille doit être au top. Si les parents s'écartent vraiment à ce point là, c'est que vraiment la relation doit vraiment être au top. La relation doit être insane. Hein. Non mais aucun jugement bien sûr, hein. Mais ça fait, c'est doit être heureuse la maman de plus l'avoir. En plus la roulée boulée de se reposer, j'ai chauffé, c'est comme pièce comme un soda.
Et je suis beaucoup, je devrais pas grossir, alors je vais pas éteindre le feu. Hein? Je suis pour maigrir. Ok. Ah oui, tu fais bien, tu fais bien. Oh, t'inquiète, Philos, y a pas d'allusion, t'inquiète pas. T'inquiète pas. N'empêchons pas les gens de parler non plus. C'est une relation parente. Non, putain. Non, s'il vous plaît. Non, pas, ne roulons pas trop les airs. C'est le méchant qui roule les airs. Ne soyez pas avec le méchant. Ah, Mario, bienvenue au quartier marchand. Il vient tout juste d'ouvrir, alors il y a beaucoup de monde. Veux-tu que je t'explique comment. Non. Si tu te perds dans le verre de, viens boire. Oui. Mario, Luigi, nous organisons un gros jeu pour eux. Putain, il a vraiment. La carrure, vraiment, t'as l'impression que c'est un bonhomme, hein. Vous voulez savoir plus? Bien sûr. C'est le concours intitulé à la recherche des balles champis. Vous devez me rapporter des balles champis cachées dans le quartier marchand. Vous ferez alors cadeau du contenu de chaque balle. Vous ferez que. Quoi? Vous ne saurez que si elle renferme qu'une fois que vous avez tout ouvert. Les balles champis se trouvent dans les coins, on ne peut pas les voir. Dans les blocs invisibles, dans la terre, dans les murs. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas encore le truc pour plonger. Il y a 16 balles. Ok. Au secours. Dans les coins qu'on ne peut pas voir, du coup. Genre là. Ouais, enfin, c'est une Pokéball, quoi. C'est littéralement une Pokéball. Vous avez trouvé une Pokéball. Let's go! Je vais pas en capturer le ronflex. Ah, pardon, monsieur, vous n'êtes pas un ronflex, pardon. Oh, la douceur du sirop et de l'arôme du champignon du thé royal. Ça me met de bonnes mots au cœur. Oh, la petite Pokéball pour le ronflex. Bienvenue, Mario et Luigi. Ah, ici c'est le salon de thé. Ah, d'accord. Let's go. Let's go. Et du coup, tu peux choisir si tu veux restaurer juste les points de vie. Oh! Mais putain. Mais quoi? Oula! Ouais, bah, il va être là-bas, mais on peut pas aller chercher. Bon, je peux pas accéder du coup. Le magasin de slip. Ouais, le magasin de slip. Ok. Ah, nice. Bien sûr que c'est équipé. Non, il a pas besoin, il a pas besoin, ouais. Autant qu'il reste avec ça. Tu vois, le reste, c'est bon. Ah oui, la carte de Reduc. Ouh. Ouais, merci pour les 200 balles. Ah, et une nouvelle salopette. C'est parfait. Bon, après, ouais, Luigi, il a pas besoin de changer. Il est important de bien gérer son budget. Oui. Tout à fait. Attends, j'aurais dû vous dire, mais vous avez compris les viewers, vous aussi faites attention à votre budget et lâchez un sub, mais je me suis retenu. Bienvenue à la boutique Champina. Nous ne vendons que des articles destinés aux personnes de l'Ensoleil au plus. On va te crever. Ah là, c'est pour le rang étoile, je suppose. Pour le rond Rayou. Suffit au mode pour le sub offert. Merci beaucoup. J'ai mal compris, je crois. Merde, bah c'est pas grave, t'inquiète pas. Bah, messieurs, vous devez vous tromper de boutique. Notre boutique. Bah, non, mais c'est bon, j'ai compris. Vous demandez de partir. Tu vas prendre ta gueule, celle-là. Oh. Yes, une deuxième Pokéball. C'est la fête! Bien sûr.
Ah mais je fais comment? C'est le plongeon je crois. Il faut le plongeon pour ça. Ah c'est joli pour le me faire Luciano. Putain mais ça marche vraiment hein. C'est pas un mythe hein. C'est pas un mythe hein. Mais ça marche vraiment hein. Allez ours dehors. Dehors espèce de chenapan. Les matchs ne sont pas des jouets. Va donc jouer à cache-cache. Et je papa et maman ils font plein de courses et c'est pas drôle. Eh Mario, on joue à cache-cache? Oui. Ouais Mario, c'est toi le loup. Je vais me cacher quelque part dans le quartier. Prêt? C'est parti. Allez. Hop. Allez, le gamin il dégage. Ah, les badges. Oh les frangins, est-ce que vous saurez maîtriser mes badges? Utilisez l'énergie de la jauge pour augmenter votre puissance d'attaque. Ça c'est bonus de pièces. Et ça c'est pour restaurer les PS. C'est la fin! La jauge se remplit à chaque coup de super à excellent, effet modéré. La jauge se remplit à chaque coup de excellent. À chaque coup, excellent. Ah! Mais du coup, elle se remplit vite. Merci, silence, moi, ça m'a fait un moustix. Ah merde. Merci beaucoup. On va prendre le badge puissance. Ça, c'est sûr et certain. Évidemment. Et. De super à excellent. Effet modéré. Ouais, on va prendre celui-là. Je prends celui-là. Ah, la carte de Reduc, là. Ah, ça perd, dommage. Salut Squid, c'est passé quoi depuis le dernier stream? Oula, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Mario et Luigi sont sortis du corps de Bowser. Eh, hey, franchement, est-ce que vous savez comment on change de badge? Bien sûr. Très bien, alors bon courage. Bien sûr, je sais comment on change de badge. On fait comme ça. Voilà. Voilà. C'est la fin. Merci Julie pour le sub offert à Adrio. Et les Toads sont devenus énormes. Après les Toads sont des énormes de base. Ça les Toads étaient des énormes de base. Mon mari ne jure que par les cartes de l'éduc. Si on tombe sur le beau symbole, on a les droits de bus. Quoi? Mais ça je m'en fous. C'est pour les objets, j'ai pas besoin des objets moi. Ah. Mais bordel. Et bordel! Bon, je peux pas les avoir maintenant. On est où là? J'ai tellement roulé que je sais plus. Courage. Ah, merci beaucoup. Yéha! Eh, tu m'as trouvé! Bravo Mario! La prochaine fois, tu me trouveras pas, c'est parti! La Pokéball! Je connais le jeu Mario et Luigi. Quoi? Je Mario dans le même style que celui-là, mais en plus de Mario et Luigi, il y avait Mario et Baby Luigi. Oui, oui, je vois duquel tu parles. Mais j'ai pas. Je me souviens pas l'avoir fait donc. Donc voilà. Il part où ce petit con là? Faire du temps. Je me gêne, mais je veux pas bouger. Tranquille. C'est vrai que si on pouvait capturer l'astronaute, ce serait bien. Mais il est parti où le gamin? Ah, il est peut-être dans un magasin? Il peut se cacher dans les magasins? Il peut peut-être se cacher dans les magasins. Eh, hey, tu m'as trouvé, bravo Mario! Mais la prochaine fois, tu me trouveras pas! Eh, hey, t'es prêt? C'est parti! Ok. Fusion Astronaut level 20, putain. Mélangeons tous les univers. Oh, j'ai trouvé! Non, mais!
qu'est-ce que tu branles? Il pue là. Je vais câbler. Je vais juste péter un câble, un peu petit câble. Eh, je prends pas maman, on est parti faire des courses. Eh, on se fait cachage. Ouais. Putain, faut tout refaire. Eh, tu m'as trouvé? Oui. On va être crevé. Hein. Ouais, tu m'as trouvé. Oui, mais je sais où tu vas être après. Faut juste pas que je rentre dans le tuyau. Eh, hey, tu m'as trouvé. La prochaine fois, tu ne trouveras pas. Comment ça m'emmerde, ce gamin? Qu'on se dise, il commence à m'emmerder, ce gamin. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir des objets spéciaux ici après pour être encore plus fort. Trop bien. Il faut devenir plus fort. Pardon, excusez-moi, je cherche un gamin. Ah mais on peut rien faire, d'accord. Ok. Est-ce qu'il serait pas retourné ici? Non. Ah, c'est ça, c'est le petit cousin casse-couille, ouais, exactement. Il est peut-être rentré dans le bâtiment là, hein. Clinique du docteur Todini. Ah, Todini! Ah, ma! Moi, chaque fois, retrouver sa taille normale. C'est grâce à le docteur Todini, il est formidable! Le docteur veut vous revoir la semaine prochaine pour vous faire une visite de contrôle. Et à la semaine prochaine alors! Bien suivant! Tiens, Mario Luigi! Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous amène aujourd'hui? Ah, on va parler avec le professeur. Le docteur ne fait que des consultations individuelles. Venez entrer chacun à votre tour. Mais ça n'a pas de sens. Comment vous voulez lui parler tous les deux? S'ennuie, il a fallu prendre rendez-vous pour ça. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air malade, Mario. Votre moustache est brillante et soyeuse. Et vous, Luigi, vous sautez avec entrain. Mais con, quoi. Oh non, me dites pas que vous avez les premiers symptômes de la rouliboulite. Non, ça c'est un Covid, ça. Ça c'est un Covid. Ouais. Ça, c'est mon Luigi, ça. Oh non, vous aussi, Luigi. Ça, c'est mon Luigi, ça. C'est terrible, vous allez attraper la rouliboulite tous les deux, le royaume champignon est perdu. Entrez vite dans les cabinets du docteur, par ici, je vous prie. Ça va, Luigi? Ça va pas bien. Docteur, vos prochains patients sont arrivés. Docteur? Ah, c'est très grave! Mais ces deux patients souffrent d'une maladie gravissime! Il faut vite éradiquer le virus qui les a infectés au jeu dans les populations de rien! Oui, bah c'est le Covid, hein, c'est ce qu'on a dit. Ah, silence! Le virus dont vous souffrez? Je le vois de plus en plus clairement! C'est comme ça que le docteur diagnostique de quelle maladie souffrent les patients. Regardez bien. Mais allez, voilà, il a parlé! Oui, il est apparu! Le terrible virus qui vous ronge, c'est... La bosse, elle est aiguë! Quel enfer. Quoi? Attends. Vraiment? On m'a appelé? Mais regardez, il est par où? C'est bien le virus dont vous souffrez! Il semble dévastateur pour le corps et l'esprit! T'es qui, toi? Mais ce virus est tellement mauvais! Ça va vous prendre du temps pour guérir! Je vais vous prescrire l'endettement pour 10 jours!
Apprendre 3 fois par jour après le repas. Oula, docteur en moins. Eh, hey, Mario, et toi, l'autre moustachu en vert, Johnny, c'est ça? Ouais, Johnny. Vous aussi, vous cherchez l'astre noir? Et vous voulez retrouver la princesse Peach? Et c'est moi qui mettrai la main dessus avant. Hors de mon chemin! Let's go! Okidoki. Ah! Ah! D'accord. D'accord. C'est so long, docteur! Putain de merde. Alors! Comment le malin maintenant? Point, 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 point. Ouh! Oh non! Pas très fort, hein. Non mais j'ai turbo boosté moi Bowser, du coup je suis naked. Merde. Merde. On vient de prendre un tarif. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais, j'ai pas été très bon. Allez hop là, ça gomme les noisettes. Let's go. Comment ça bien? Je fais de ma gueule ou quoi? Ça va aussi. Let's go. Ah, tellement de coups critiques. On se demande bien pourquoi, tiens. Oh non, mais non, mais non, mais non. Merde. Aïe. Mario qui prend un petit tarif hein. Let's go. Allez, on remplit la barre. Let's go, la barre est remplie. Ah d'accord. Ok, quand il fait c'est que vraiment ça va. Surpuissant. C'est tout enfin, pour un bonus surpuissant, je suis un peu déçu. Vous êtes vraiment coriace, je vais vous réduire en cendres. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Mario, Luigi, sautez pour vous accrocher à moi. Une fois que vous vous serez accroché, maintenant enfoncez les boutons respectifs. Faites attention, si vous lâchez votre bouton, vous tomberez. C'est bon, vous avez compris. Ça va, j'ai vu plus dur quoi. Non, moi je vous... Non. Non, non, bah je lâche pas. Je lâche pas ? Je lâche pas. Lâche, ok. Je lâche. Il a dit de ne pas lâcher. Bah oui, moi il a dit de pas lâcher, j'ai pas lâché hein. Ah, faut pas appuyer trop vite. Faut pas appuyer trop vite, c'est pour ça, d'accord. Moi j'appuyais trop vite en fait.
pas fou. Ah! Luigi va juste se faire que buter, je pense. Non! Non! Oh putain, t'avais. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Un petit. Allez. Ah, mais c'est pour un des deux. So long, Luigi? So long, L-U-I-G-I. Oh, mais non! Putain, mais il me fait la pire attaque. Ok. Non. Non. So long, Mario. Bon allez Mario, vas-y, fais-toi un petit plaisir, allez un petit plaisir, vas-y, fais-toi un petit bonbon étoile. Wouh! Ok. Oh non! Non! Allô? Oh non. Oh non. Mange les petits champignons. Mange les petits champignons. Let's go mon pote. Personne n'est mort ici. Oh mais non, l'autre était mieux en vrai. Au secours! Putain, je suis trop mauvais sur cette attaque, je suis trop mauvais. T'en me braque avec une arme carrément, ok. Ok, l'ambiance. Ok, l'ambiance un peu folle. Et merde. Ouais. Nice. Oui, ok, vas-y, je suis chaud. Nice one. Petits étonneaux. Mais étonneaux, la dernière fois j'ai essayé de les faire, ça, j'étais nul. Je préfère faire les fleurs.
Et comment ça, bien? Yes! Et Bowser, ça dégage! Même pas un level. J'ai envie de crever. Et Bowser, ça dégage. J'ai pas encore retrouvé toutes mes forces. Ça m'énerve. Si vous avez la ref. Bah, c'est donc ça, pour ça que vous êtes venu me voir. Le royaume champignon court en grand danger. Ah, il paraît que vous savez absolument tout sur le royaume champignon. Est-ce que vous pouvez briser l'étrange barrière qui s'est apparue devant le château? Ah, bien sûr. On va faire comme ça. Énorme. Wow. Putain, mais ta gueule! Putain! Attendez. Wow. Faut que j'aie un peu d'espérance de vie quand même. Mais c'est impossible! Mais l'exact, c'est que je sais tout sur le tout. Mais si je possède des clans de pouvoir magique, briser une barrière créée par le pouvoir de l'astre noir, ça m'est totalement, absolument, parfaitement impossible. Ah, pour la peine d'être si catégorique. On va pas pouvoir approcher du village du château de Peach. Et le royaume pourra être détruit. Il est trop tôt pour perdre l'espoir, si. Mais il ne possède pas le pouvoir de briser la barrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen. Vraiment? Les vaccins, toi... Pourquoi ce jeu est littéralement dans notre monde actuel, finalement? Il faut dégager les barrières Covid avec le vaccin étoilé. Wouh! Oh là, Super Castex. Let's go. Voyage au centre de la France. Du monde actuel de 2020. Bien sûr. Les vaccins étoilés! Les vaccins étoilés! Les trois vaccins étoilés! Les trois vaccins étoilés gardés par les grands sages! Les vaccins qui peuvent éliminer toutes les forces maléfiques! Alors, ce jeu était peut-être un peu trop en avance sur son temps. Alors il suffit de rassembler les trois vaccins étoilés! Avec eux, on pourra vaincre l'astre noir! Le royaume est ravagé par cette terrible maladie, la rouliboulite, le Covid-19! Pour guérir le Covid, j'ai besoin des vaccins étoilés! En plus, les trois doses! Oh putain, j'avoue! Faut trouver les trois. Il faut trouver les trois vaccins pour vaincre le Covid de l'astre noir. Oh non! Mais tout est lié! Mais en fait, tout est lié depuis le début! Le monde de la santé a étudié ce jeu pour nous sauver. Il y a un scientifique qui s'est dit, putain les gars, ce week-end j'ai joué à Mario et Luigi avec mon fils au voyage de Bowser et il parlait de trois vaccins étoilés. Mais c'est bien sûr Didier! Putain, mais Didier, mais heureusement que t'es là! La barrière noire dont vous êtes parlé pourrait disparaître! Ah génial, s'ils sont capables de vaincre l'astre noir! Mais je vous conseille de trouver les trois vaccins étoilés. Il peut sonner le Covid-19, il faut vite les trouver. Et où est-ce qu'ils sont ces vaccins étoilés? Bah chacun de ces trois sages possède un vaccin étoilé. Ah ça on avait compris, merci, mais ils sont où ces sages? Bah ils sont au gouvernement. Ah non, pas du tout. Eh bien, là d'entre eux se trouve dans une forêt. Une forêt? Bah la forêt Foucette. J'ai tout entendu. Il faut rassembler trois vaccins étoilés. Bon. Ah, tu n'y arriveras jamais. Mario et Luigi les trouveront tous les trois. Sale peste. J'aime pas comment tu me parles. Tu parles comme cette chipie dans mon corps. Enfin, peu importe. Mario, l'autre moustachu en vert, là, jauni, là. Ça sera au plus rapide. Je vais trouver ces trois vaccins en premier et entrer dans le château de Peach. Je vais trouver les trois vaccins avant mon passe vaccinal. Et enfin aller voir le château de Peach.
Dis, ça ressemble à quoi le premier singe? Ça va me prendre un peu de temps pour les découvrir. Et putain, ils nous cassent les couilles. Ouais, je vois. Rendons-nous vite à la forêt Fossette. Fossette, pardon. Quoi? Ma, attendez, les voilà! Ma, regardez! Vous les voyez? Voilà à quoi ressemble le premier sage! Mais c'est le... Mais c'est le sage chenille qu'on a affronté? Quoi? C'est cette chenille? C'est la chenille que vous avez combattue dans le bord de dans le corps de Bowser? Attendez... Ah oui, je me souviens! Elle s'est enfuie après notre combat! Alors cette chenille, le premier sage... Ma, mes prédictions se sont toujours révélées! Ah, je n'ai fait aucun doute, cette chenille est le premier sage! Elle possède un vaccin étoilé, c'est sous la Saint-Bassin. Mais elle n'est pas dans la forêt! Cette chenille se trouve dans le corps de Bowser! Elle a été avalée par Bowser dans la forêt Fossette! Et se balade dans son corps depuis! Tes prédictions sont complètement fausses! Bah, tu vas te calmer! Comment voulez-vous que mes prédictions tiennent compte des détails si tordus? Bah, à la base, cette chenille vivait dans la forêt, ma prédiction n'est toujours pas totalement fausse! Si, bah, en plus de ça, grâce à ça, Bowser ne pourra pas vous damner le piole. Damner le piole. Alors c'est pas faux, on a de la chance. Le premier dans le corps de Bowser. Retourne dans le corps de Bowser pour que... Mais non! Il est con ou quoi? On a un avantage sur lui. Allons prendre cet avantage sur lui. Bah non. Pour que Johnny nous file le vaccin étoilé. Bah non. Bah, y'a quoi que je me suis fait embarquer dans une autre histoire? Oui. C'est la fête! Merci Raph pour le 10e bois, merci beaucoup. Ah. Oh! Ah, tiens, ce tuyau, il ressemble à ceux dans le corps de Bowser. Décidément, on a vraiment de la chance. Bowser se dirige vers la forêt Fossette, mais ce qu'il ignore, c'est que le sage qui possède le vaccin est dans son corps, mais on le sait, merci. Viens, rentrons. Mais avant, petit cache-cache avec le gamin. Parce que du coup, j'ai du tour reset, je suppose. Ah non, il est encore caché. Ah, deuxième confinement, putain, quel enfer. Salut, ma mise à zoo. L'enfer. Non mais ce jeu par contre c'est un scandale, hein. C'est très dangereux comme jeu. Hein. Les trois vaccins étoilés, une maladie à curer, non c'est trop dangereux. Hein. Oh. Et on va voir ma femme et mon fils adoré. Ouais. Comment qu'il va? Bah il va, écoute, on joue un grand jeu de l'histoire, qui est très très cool, et on passe un bon moment, donc... On peut demander de plus. Aujourd'hui, assez d'être comme ça. Ah Luigi, je viens de vous plus en faire... Ouais! Putain, le boss! Oui, non mais... On le voit tous les jours, alors bon... Oh oui! Abreuve-moi de tes paroles! Vous allez pouvoir me soigner, hein, Luigi. Je compte sur vous, courage! Ah, le meilleur. Le meilleur. Bowser rentre dans les tuyaux pour aller dans son corps et se passe quoi? Ça détruit le continuum espace-temps, il rentre en lui-même et du coup il s'auto... Auto-pénètre, mais c'est peut-être pas le mot que je cherchais. Il s'auto-détruit. Trouver une drôle de maison sur la plage Karikari. Et après, on ne me souvient plus. Et château de Bowser, une pièce froide dans le château de Bowser. Des silhouettes de champignons. Et puis, on ne me souvient plus. C'est rageant. Mon frère est un aventurier. Il est parti à la recherche des pièces d'attaque. Mais durant son voyage, il a mangé un champignon d'oubli. Il a tout oublié de ses aventures passées. J'aimerais pouvoir lui faire quelque chose. Dis, grand frère, qu'est-ce qui s'est passé sur la plage et au château de Bowser? Je suis sûr que c'était des pièces d'attaque. Les plus resplendissantes que j'ai jamais vues. Elles doivent former une attaque surpuissante. Je me souviens plus des détails. Je me suis plein de questions, Mario. La plage Karikari et le château de Bowser. Mon frère aura vu des pièces d'attaque. Bah je sais où elles sont, t'inquiète. Oui, le taux de verre, c'est celui qui dort pas avec sa femme, exactement. Ah, te régaler. Ah bah toujours, mamie, toujours. Ok.
Non mais c'est bon, ok, non mais t'inquiète. Toujours là pour se régaler en stream, hein. Si on se faisait chier en stream, ça se verrait. Ce serait triste. Mais où le gamin? Oh! Une Pokéball! Let's go! Fameuse salle froide dans le château de Bowser, hein. Bien sûr. Oh! La deuxième. La. Je sais plus combien de Pokéball. Mais du coup, attends, là ça veut dire que. C'est genre là? Ou là? Non? Ouais, ici c'est pas une case. Ouais, ici c'est pas une case. Oui, ça doit être sous terre, mais du coup, pour l'instant, là, je peux pas vraiment. Je peux pas vraiment faire grand chose puisque j'ai pas l'attaque pour. Enfin, j'ai pas le truc pour aller sous terre. Dommage. Bon, on va avancer alors. Hein. Si je peux pas aller sous terre, on va avancer. Hein. Ah, bah non, Nick. Attendez. J'ai oublié de réactiver le truc des VOD. Du coup, bah, il y a une VOD de 3 heures là. Je coupe la VOD, je la relance. Au revoir.